Mais attends, on va le congé. Voilà, bien-aimé, que le Seigneur vous bénisse dans le nom de Jésus de Nazareth. Je suis avec le grand prophète à Saint-Anton. Je vais te souhaiter joyeux anniversaire. Ciao. Voilà. Salut, shalom. Voilà, je dois tout simplement profiter pour te parler. Bien-aimé par le Seigneur, par le Seigneur, cette parole prophétique. Toi, tu es au Cameroun, quelle que soit ta ville, dans cette nation camerounaise, Dieu nous a établis à Najot, la terre des prophètes. Et lorsque nous parlons de la part du Seigneur, nous le faisons avec autorité et avec assurance, parce que nous connaissons le mandat que nous tenons de Dieu pour son peuple. Pas seulement son peuple en Afrique, mais en Europe, en Asie et partout où le Seigneur nous enverra. Je voudrais te dire, tout simplement, toi, cher frère camerounais, cher frère, chère soeur camerounaise, je suis de retour au Cameroun. Je suis sur la terre natale, la terre qui m'a fait naître. Et je suis là avec un manteau pour toi, pour apporter la délivrance, apporter la destruction dans le camp de ton ennemi. Ce qui t'a détruit, ce qui a ruiné ta vie, ce qui t'a saboté, sabulé, conspiré, sera terrassé au nom de la de Jésus. Ce dimanche, par la grâce du Seigneur Jésus-Christ, ne manque sous aucun prétexte au culte de gloire et de délivrance prophétique qui se tiendra à la bière à partir de 8h du matin. C'est mon invité personnel, s'il te plaît, ne reste pas à la maison. Et en plus, c'est la continuation de mon anniversaire. L'Europe a honoré la personne que je suis, le moindre que je suis, et je m'attends à ce que le Cameroun fasse mieux. Donc, sincèrement, si je compte pour toi, ou si tu penses, tu crois mon ministère, tu crois que ce ministère a été une bénédiction, une source de faveur divine dans ta vie, tu es mon invité ce dimanche. On est le cancer aujourd'hui, mais c'est le 17 aujourd'hui. C'est le 18 aujourd'hui, le dimanche c'est le 19. Voilà. Bon, ce dimanche, nous sommes le 19, comme le programme te l'a dit. Aujourd'hui, c'est le 18 mai, dimanche le 19 mai. Ne manque pas au culte de gloire de délivrance prophétique. Viens me souhaiter bonne année. Ce sera événementiel. Pour tous ceux pour qui je suis important, je pense que si je suis important pour toi, tu vas prendre ton taxi, tu viendras, tu vas dire, nous ne serons pas lésés, nous voulons honorer notre peur, comme nos frères, nos soeurs de Rome l'ont fait. Dans tous les cas, le monde vous voit, le monde est témoin, et tout le monde verra et saura, ça sera en direct. Hormis cela, je pense que je dois plaider pour toi, ne retarde pas ton moment de délivrance, ta saison est venue. Je rentre d'Europe avec un manteau frais pour toi, pour donner des déclarations puissantes et redoutables pour ta libération et pour ton épanouissement. S'il te plaît, ne manque sous aucun prétexte à ce grand rendez-vous ce dimanche 19 mai. Mais le 20 mai, c'est lundi. Hein? Ne manque pas ce dimanche 19 mai. Cette journée est spéciale, elle est pour toi. Peu importe ce que tu es en train de traverser, peu importe le défi de ta vie, peu importe les guerres que tu es en train de mener aujourd'hui, les choses qui te rendent malheureux ou malheureuse, peut-être que tu es désespéré, etc. Le Seigneur Jésus-Christ est vivant. Et il est vivant le Dieu qui m'a appelé. Quoi? On dit que le son n'est pas bon, j'enlève le micro aussi là. Donc, je disais que ce dimanche, par la grâce de Dieu, dimanche 19 mai, ne manque sous aucun prétexte à ce grand rendez-vous prophétique qui aura lieu à la bille. Je répète, le culte aura lieu à la bille à partir de 8h. C'est un culte de gloire et de délivrance prophétique. Et comme je l'ai dit dans mon incipit, c'est mon anniversaire en plus. L'Europe m'a honoré et j'attends voir ce que le Cameroun fera. Et vous savez que lorsqu'on parle des hommes de Dieu, c'est pas seulement dire non. Je t'aime, papa, on t'aime. Non, il faut poser des actions qui prouvent, qui justifient l'amour que nous disons avoir. Donc, j'espère que tu seras là pour mon anniversaire, pour la célébration de mon anniversaire. Parce que le Cameroun ne l'a pas encore fait. Que Dieu te bénisse au nom de Jésus de Nazareth. Venons avec toutes nos familles, avec nos enfants,
avec nos époux, avec nos épouses, parce qu'il y a quelque chose que Dieu a pour toi. Nous allons entamer ce mois de mai avec brutalité. L'ennemi va regretter pourquoi il te laissera arriver dimanche à l'église. N'accepte pas que l'ennemi t'en ne venant pas. N'accepte pas cela. Fais tout pour être là. Mets ça dans ton agenda. Ce dimanche 19 mai, je serai à la Bille. Mais si vous n'êtes pas à Yaoundé, vous pouvez voyager pour venir assister à ce grand culte de délivrance et de révélation profonde et de destruction des hôtels de la sorcellerie. Ta saison de régner est arrivée. Et tu dois entrer dans cette saison. Tout retard dans ta vie sera brisé. Et comme j'ai eu à le dire, nous allons enseigner, je vais enseigner, donner un enseignement redoutable sur le mystère des espèces. Je vais enseigner sur le mystère des espèces et des races. C'est un enseignement que le Seigneur m'a donné quand j'étais en Europe et dans l'avion aussi. Et cet enseignement, tu ne dois pas manquer. Il est à suivre absolument. Il faut être présent. Et comme tu viens, la main du Seigneur sera puissante sur ta vie. Et tu verras la délivrance de l'Éternel, ton Dieu. Que Dieu te bénisse au nom de Jésus-Christ. J'ai hâte d'être avec toi ce dimanche 19 mai à partir de 19 mai à partir de 8 heures à la Bille du côté d'un Kouaban. Passe l'annonce autour de toi et dis à quelqu'un le mois de mai, c'est le mois de ma naissance. Donc viens, je vais te bénir. Dieu qui m'a béni avec une année de plus, je pense que j'ai le mandat et l'autorité de te bénir toi aussi, de dire quelque chose sur toi et que Dieu bénisse les années de ta vie avec la santé, la longévité, la grâce, la richesse, les opportunités et tout ce dont tu as besoin. Et aux célibataires, je voudrais souhaiter joyeux mariage. Que Dieu te bénisse au nom précieux souverain de Jésus de Nazareth. Rendez-vous dimanche 19 mai, Kouaban, Bir, à partir de 8 heures. J'ai hâte d'y être et j'ai hâte de te revoir. Heureuse la personne qui sera la première sur qui je vais prophétiser. Heureuse la personne qui sera la première sur qui je vais poser mes mains. Cette personne sera bénie. Mais qui sera-ce? Que Dieu te bénisse au nom précieux souverain de Jésus-Christ. Shalom.